Bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire donc des madeleines selon la recette de Le Nôtre. Donc voilà, voici les ingrédients. C'est parti! Voilà, alors vous cassez vos 3 œufs donc dans un saladier, donc soit dans le bol de votre robot, soit dans un saladier. Ensuite, vous rajoutez le sucre. Donc, les sucres vanillés. Et donc, vos 20 grammes. Maintenant, donc vous branchez donc votre robot et vous le mettez sur position 2 et attendez que le mélange blanchisse et double de volume. C'est parti. Voilà, alors vos œufs donc ont blanchi, ils ont bien doublé de volume, donc ça doit ressembler à ceci. Maintenant, donc j'ai changé d'accessoire pour le robot, j'ai mis donc la feuille. Nous allons donc maintenant incorporer la farine petit à petit. C'est parti. Donc moi je le mets sur le minimum pour commencer. Donc j'attends bien que la farine soit absorbée. Une fois la farine incorporée, donc vous pouvez rajouter donc votre beurre mou. Donc c'est très important que le beurre soit mou. Donc il doit vraiment avoir cette consistance-là. Donc voilà, vous rajoutez donc votre beurre. Et là, vous augmentez la vitesse donc, de votre robot. Et vous attendez environ 2 minutes que votre pâte soit prête. Que le beurre soit bien incorporé à la pâte. Donc une fois le beurre bien incorporé donc à la farine et à la pâte, ajoutez donc maintenant l'extrait de vanille. Donc moi c'est de l'extrait 100% donc naturel que j'ai acheté donc dans un magasin bio et j'en mets 5 gouttes. Et voilà, vous remettez encore donc environ 1 minute sur position minimum. Maintenant votre pâte est terminée. Voilà la consistance qu'elle doit avoir, donc vraiment onctueuse. Maintenant nous allons donc la laisser reposer au frais durant 2 heures. Voilà, votre pâte maintenant a reposé pendant 2 heures dans le réfrigérateur. Donc c'est important surtout de la laisser reposer dans le frigo. Donc maintenant, vous allez préchauffer votre four à 230 degrés. En attendant qu'il préchauffe, vous allez au préalable beurrer et fariner vos moules. Et ensuite, nous allons disposer la pâte dans les moules. C'est tout simple, vous prenez donc une cuillère comme base et vous le versez directement dans votre moule. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en attendant, je vais grignoter une petite madeleine. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao !